la technologie sans contact a transformé les comportements d'achat des personnes et la gestion des paiements des commerçants à travers le monde, créant un mode de paiement plus rapide pour tous. Désormais, le sans contact dans les transports révolutionne notre façon de payer pour voyager, en offrant aux utilisateurs une expérience plus fluide et plus rapide. Aujourd'hui, les réseaux de transport sont étendus et complexes. C'est pourquoi les acteurs du transport à travers le monde travaillent avec Visa Global Transit Solutions, afin d'optimiser leur système de gestion de billetterie et améliorer le parcours client. Les billetteries actuelles qui délivrent des tickets ou des cartes à recharger peuvent créer des perturbations et de la confusion, provoquant ainsi des files d'attente au point de vente et au tourniquet, et donc des stations remplies d'usagers, des clients insatisfaits et des coûts de billetterie inutilement élevés. Les solutions sans contact pour les transports de Visa utilisent la technologie sécurisée, fiable et rapide EMV afin de simplifier les opérations en supprimant les tickets ou le rechargement. Cela permet d'offrir une expérience fluide aux utilisateurs et de réduire les perturbations. En rendant l'expérience des usagers plus simple et plus intuitive, les stations gèrent les flux plus efficacement. Le nombre de passagers augmente et les coûts diminuent. Tout le monde y trouve son compte. Donc, comment le modèle de transaction Visa pour le transport fonctionne? Voici ce qui se passe lorsqu'un usager utilise sa carte sans contact pour voyager, au lieu de faire la queue pour acheter un ticket. Quand un passager prend un transport en commun avec sa carte sans contact ou son téléphone, la carte est vérifiée pour s'assurer qu'elle est authentique, qu'elle n'est pas expirée et peut être utilisée pour voyager. Tout cela en moins d'une seconde. Si ces vérifications sont positives, le passager est autorisé à voyager et les informations liées à la validation sont envoyées au système central de l'opérateur pour être traitées. Cela fonctionne parfaitement avec tous les types de paiements, que ce soit des cartes de débit, de crédit, prépayés ou tout autre moyen. Chaque validation sans contact est enregistrée, permettant d'avoir l'historique des voyages effectués avec une carte ou un autre moyen de paiement de l'usager. Peu importe le nombre de voyages réalisés, tout est conservé dans le système central de l'opérateur. Le modèle Visa permet aux opérateurs et aux autorités de transport d'offrir une tarification souple, incluant des tarifs fixes ou avec correspondance, des tarifs plafonnés, des tarifs sous conditions, à la distance ou à la durée, et des remboursements liés à des retards. Généralement, à la fin de la journée, toutes les validations sont traitées pour calculer le meilleur tarif à prélever sur la carte de l'usager. Visa intègre un mécanisme de partage de risques pour gérer les responsabilités en cas de transaction refusée et pour gérer les recouvrements des impayés. Les usagers n'ont pas besoin de s'enregistrer auprès de l'opérateur de transport pour voyager. Ils n'ont qu'à monter directement à bord du moyen de transport. Ils peuvent aussi obtenir un reçu en ligne s'ils le souhaitent. Cette solution Visa est donc idéale pour les utilisateurs locaux, les touristes nationaux et internationaux, en fait, tous ceux possédant une carte sans contact. Le modèle de transaction Visa pour le transport est disponible à travers le monde et peut améliorer l'efficacité au niveau des stations et affecter différemment les agents, accroissant les recettes, réduisant les coûts et améliorant la satisfaction des usagers. Chaque jour, des millions de personnes payent leur voyage en sans contact, aussi simplement que pour leur café, grâce au modèle de transaction Visa pour le transport. Les opérateurs et acteurs du transport considèrent Visa comme partenaire de confiance, car nous comprenons les besoins de leur réseau, grand ou petit, à travers le monde.